On s'en va où? Ben, voir Louis-José Houde. On s'en va voir le spectacle de Louis-José Houde. Oui, oui. Là, en fait, on s'enligne. C'est notre cadeau de Noël. Oui, il y a notre cadeau de Noël. Là, en fait, on s'enligne pour aller casser la croûte avant. Oui. Fait qu'on s'en va manger quelque part là-dedans, là. Puis après ça, ben, c'est la salle Albert Rousseau, hein? Oui. Là, c'est le fun qu'on avancerait. On s'en va là, puis on va aller manger, puis après, casser la croûte, ben, on vous revient avec la suite. Je sais plus, c'est des noix de kariaki aux crevettes. Toi, c'est. Moi, c'est du Général Tao. Hey, bon appétit. Puis, en tout cas, la loi du Cocorico enflammé de la douce. Tu quoi, tu fais ton actrice d'Hollywood, là? Un petit drink? Oui. Puis, merci à Yannick et Cathy, notre garçon, le garçon de ma femme, moi, mon garçon par alliance, et notre bru, Cathy, qui nous ont fait un cadeau de Noël. On s'en vient voir Joselito Michaud, en supplémentaire avec ouais, Alain Simard. Ben, oui. Et en début de spectacle, Raymond Lowe, accompagné de. Non, les Bruchetta, c'était un groupe de pétasses, okay. Passé d'app. T'es où là? Ben, on est à Salardin Rousseau pour voir Louis-José Hood. On est revenu sain et sauf. Oui, puis on a rigolé pas à peu près. C'était drôle. C'est sûr que c'était drôle quand ils l'ont vu rentrer là et tout le monde est passé à rire. Écoute. Non, bon pestac. Bon pestac. Vraiment bien. Je dois avouer que... Ben, primo, avant d'arriver à mon aveu, je suis pas le genre... de mec à m'asseoir dans une salle, poigné sur le voisin de même, qui fait ah! Calme-toi, là. J'ai un peu de misère avec ça. Puis sentir son parfum, puis l'autre qui rit fort en arrière, j'ai un peu de misère avec ça. Mais tu sais, c'est pas une nouveauté. Le dernier spectacle qu'on a vu, c'était celui de. On en parlait tantôt, mais on était plus sûr. Moi, je pense que c'est Marie-Eugène. Non, non, jamais été voir Mario Jean, je l'aime pas. C'est Antille ou. On avait Peter McLeod, puis on Peter avait McLeod. Peut-être McLeod, on l'a vu. Antille, c'est Antille. Peut-être Antille, je me souviens pas, mais c'est puis, on a fini, je dirais, on a vu le tiers du spectacle. À peu près. À peu près, à l'intérieur. On est sorti, on s'est assis au bar, à la sortie de la salle, puis on a écouté le spectacle sur l'écran, sur la télé. À l'extérieur de la salle. J'avoue que c'est innocent, hein? Mais surtout Albert Rousseau. C'est vraiment. Puis là, ne va surtout pas, mais surtout pas, pogner l'envie de pisser. Non, non. Et là, il faut que tout le monde se lève pour que tu passes. Sans penser à l'envie de péter. Non, non. T'as-tu eu envie de péter ce soir? Non, ça a bien été à ce niveau-là, mais j'ai toujours eu des craintes.
Hein? Oui, c'est toujours des craques. Tu passais la soirée à avoir peur? Non, ça va. De prouter dans tes culottes? Non, ça va. Non, OK. Non, ça va. Ça a été bien. Non, en tout cas, on fait des blagues, mais très bon spectacle, c'était drôle. Puis, j'ai passé la soirée assis. Ouais. On a passé la salle. La première partie s'appelle Vim? V-E-E-M, ce que je me rappelle. À moins que je me trompe, là, mais... Puis, c'était vraiment bon, là. Non, il était du talent, là. Vraiment drôle, vraiment drôle aussi, ouais. On va voir. Mais en tout cas, je dois aussi dire que on n'a pas à se péter les bretelles. On s'est payé un spectacle de... Non, en fait, c'est un cadeau de Noël qu'on a eu du garçon Christiane et de sa douce moitié. Yannick et Cathy, merci beaucoup. Merci, on est contents. Oui, on a passé une belle soirée, c'était le fun. Ça a été... c'était cool, c'était vraiment cool. Fait qu'on vous a partagé ça un petit peu. Puis, ben, merci de nous avoir suivis. Le principal là-dedans, que j'ai oublié, c'est... En tout cas.